Yo les amis, c'est Ouz, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes sur WoW et nous sommes sur le PTR du patch 6.2.2. Alors voilà, c'est un petit patch qui va arriver normalement le 2 septembre. Je dis bien normalement parce que même Blizzard n'est pas totalement sûr de cette date. On sait bien qu'en ce moment ils ont un petit peu de mal niveau communication, mais en tout cas voilà, normalement ça devrait arriver à ce moment là. Alors ce patch, qu'est-ce qu'il va apporter? Eh bien j'ai envie de vous dire d'un côté pas grand chose, hein. C'est un patch mineur, c'est-à-dire que c'est pas un patch qui va apporter beaucoup de choses, des raids, etc, une nouvelle île et tout, non, il n'y aura pas de tout ça, on va essentiellement parler de mascotte, de monture, une nouvelle monnaie qui va être introduite, le volant de Draenor, voilà, on va parler de ce genre de choses. Alors qu'est-ce que je fous en Dalaran? Cette petite capitale qu'on adorait, hein, la capitale de la meilleure extension, n'est-ce pas? Eh bien, ce que je cherchais, c'était simplement un PNJ qui s'appelle Ozin, et malheureusement je ne l'ai pas trouvé, de même que Capri en Chatrat. Alors, qui sont ces deux personnages? Et bien simplement, comme vous le savez, depuis le patch 6.2, hein, qui était sorti le 24 juin il me semble, en plus d'introduire la jungle de Tanaan, le raid, etc., ils ont introduit ces fameux événements, on va dire hebdomadaires, hein, voilà, c'est un petit événement le week-end qui s'étend du vendredi au lundi, et dans ces événements-là, on a les événements des donjons des marcheurs du temps. Donc pour Burning Crusade et pour Wrath of the Lich King. Donc ça nous permettait, enfin ça nous permet encore de faire les anciennes instances. On est réajusté par rapport au niveau. On a du loot pour nos persos actuels, hein, c'est-à-dire du 660 il me semble. Donc c'est vrai que c'est pas terrible. Malheureusement ils ont eu un petit peu de mal avec ça, c'est-à-dire qu'ils nous ont filé des récompenses pas à la hauteur. Ça fait plaisir de retourner dans ces vieilles instances. Moi, quand je retourne à Gundrake et tout, ça me fait vraiment plaisir. Et le problème, c'est que, eh bien, avoir des objets 660, ça intéresse plus grand monde, si ce n'est les rerolls à la limite. Mais donc, petit à petit, bon, il y avait aussi quand même une quête, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ces événements popaient, on avait une quête. Si on en finissait 5, on avait une breloque en plus. Ouais, c'est bien sympa, mais j'ai envie de dire, franchement, la breloque en plus, à part quand on fait la course, hein, le World First en PvE, où vraiment une breloque peut faire la diff parce qu'une pièce de stuff en plus et tout. Pour le reste, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment ultra important. Donc c'était un petit peu léger, c'était bien, mais c'était léger comme récompense. Ils ont introduit une cache de la citadelle, hein, qui permettait là d'avoir une pièce en plus, donc c'était déjà beaucoup mieux. Mais je sais pas, j'imagine qu'ils ont constaté dans leurs données, dans leurs chiffres, que ça intéressait pas encore suffisamment les joueurs. Ils ont décidé d'ajouter une toute nouvelle monnaie. Donc la monnaie qui s'appelle, WoWhead sous les yeux, Time Warped Badge. Alors en fait cette monnaie, donc je ne l'ai pas, hein, elle est pas encore, elle apparaît pas ici, j'en ai pas encore avec ce personnage. Mais en tout cas voilà, c'est une petite monnaie qui vient s'ajouter à tout le reste. Et grâce à cette monnaie, on va pouvoir acheter différentes choses, donc chez deux PNJ. Donc comme je vous le disais, Ozin qui est à Dalaran et Capri qui est à Chatrat. Le problème c'est que lorsque j'ai été voir, donc c'était la semaine dernière, hein, vous voyez c'était les événements de BC. J'y suis allé je pense le 14, le 15 ou le 16. Il y avait Capri à Chatrat, j'ai pu bien voir ce qu'elle vendait. Et là aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est le 23, vous voyez c'est un week-end événement Apogide. Eh bien il n'y a pas de week-end de marcheurs du temps, donc j'ai l'impression que les PNJ n'apparaissent pas. J'ai juste l'impression que les PNJ apparaissent que lors de leur week-end respectif. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer tout ce qui est achetable. Et c'est bien dommage. Donc dans tout ce qui est achetable, encore une fois, un petit peu mitigé. Puisque Capri, donc le personnage qui est à Dalaran, non, qui était à Chatrat, j'ai discuté un petit peu, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle avait à vendre. Et je trouve que les prix ne sont pas intéressants du tout. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la monnaie, apparemment, hein, la manière dont ça se génère, de ce que j'ai lu, il faut faire les fameuses instances de BC donc, et de Wotelka selon la semaine. À chaque fois qu'on va tuer un boss, on va débloquer 130 badges. Et dès qu'on tuera le dernier boss de l'instance, ce sera 200. Donc allez, 400, 500 par instance à peu près. Et donc il y a une fameuse monture. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces PNJ, globalement, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Ils vont vous donner Faucon, Dragon, Eclipse. Ah voilà, il est là. Donc, voilà, ces pièces, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Ce sera des jouets. Ce sera des objets pour la transmo. Donc, il y a des skins d'épée et tout, ça peut être sympa. Ce sera des montures. Et donc, l'une des deux montures, c'est celle-ci. Vous voyez, on l'achète à Capri. Et elle est extrêmement laide. C'est-à-dire que c'est une question de goût, hein. Après voilà, moi je ne veux pas juger, mais perso, bon, celle-ci encore ça passe, elle est un peu armurée,
Celle-là aussi, elle est stylée d'ailleurs. Je sais pas d'où elle se trouve. Ah tiens, bah si, c'est le haut fait. Voyons voir un petit peu. Celle-ci, ça va encore, hein. Mais c'est vraiment les pourraves comme ça, voilà. Les pas armurés et tout. Enfin, vraiment très, 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 très basique. Voilà. Ça, personnellement, je trouve ça laid. Voilà. C'est vraiment une question de goût. Et donc, du coup, eh bien, c'est un petit peu la misère pour moi de carrément aller farmer 50 000 pièces pour avoir ce format pourri. Voilà. Bon, violet un petit peu. Ok, ouais, la couleur peut être sympa. Mais. Honnêtement, moi je suis pas fan. Voilà, moi je ne suis pas fan du tout de ces montures-là. Donc bon, 50 000, je trouve quand même que ça va vraiment vraiment loin. Hein. C'est, vous imaginez le nombre d'instances qu'il va falloir farmer pour avoir 50 000, c'est incroyable. Donc j'espère qu'ils vont faire ce qu'il faut pour soit, enfin réajuster le truc, hein, soit faire en sorte que les instances donnent plus, soit faire en sorte que les montures coûtent moins. Puisque là, on a aussi Iron, donc non, on l'aura pas avec Iron, donc fer. Hop, voilà. On a aussi cette monture. Ah, vous voyez tout de suite, c'est beaucoup plus stylé, hein. Alors, elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais ouais, moi je la vois bien sur un DK, avec un DK, genre un DK givre humain ou mort-vivant. Non, ça c'est une monture, franchement ça va, hein. Elle est tout à fait honnête. Donc autant celle-ci, ok, autant l'autre, bof. Donc là c'est bien Ozin qui la vend. Et puis à côté de ça, comme je vous disais, on a des items de transmo, on a des petites recettes cooking. Tiens, c'est étonnant, j'avais pas vu ça. On a des recettes de cuisine, visiblement. On a des tokens, vous savez, héritage, hein, pour augmenter l'high level. Donc les petits jouets et des recommandations pour augmenter les réputations. Donc une fois que vous avez farmé toutes les montures, ce qu'il est possible de faire, c'est choper des recommandations pour rattraper vos vieilles. Par exemple, si on va dans. Bon, on va dans Wotelka, ça va, j'ai tout exalté. Mais là, par exemple, Burning Crusade, ce perso, je l'ai pas trop joué à Burning Crusade. Je sais plus trop sur quel perso. Ah oui, j'étais sur mon chasseur globalement. Enfin, la plupart du temps. Donc là, voilà, si j'ai envie de rattraper du temps, je peux acheter par exemple des tokens gardien du temps pour vite fait aller chercher le exalté. Donc voilà, il y a des choses, il y a des choses à faire. Il redonne de l'intérêt à simplement à ces petites instances. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça arrive donc 6.2.2 qui devrait pas tarder, hein, comme je vous l'ai dit, le 2 septembre, voire une semaine de plus tard si jamais ils ont du mal. Apparemment, le vol en Draenor leur a posé énormément de soucis. Et voilà, donc transition parfaite, le fameux vol en Draenor. Donc, comme vous le voyez, je suis en train de voler. Et là, nous sommes à la crête de Givrefeu. Alors, normalement, je n'ai pas le droit, hein, bien sûr. Mais grâce à ce patch, ils introduisent enfin le vol en Draenor. Donc, c'est une mécanique qu'on attend quand même depuis très longtemps, qui aurait dû, à mon sens, être là dès le début. Alors, j'étais assez d'accord avec l'idée, si vous voulez, de ne pas la mettre d'entrée de jeu, puisque. Comme vous le savez, voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa de pouvoir bien parcourir le début d'une extension à pied. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que pour moi, l'extension étant sortie quoi, le 15 novembre, il me semble, ils auraient dû, eh bien, ne pas mettre le vol jusqu'au 6.1, donc c'était à peu près en janvier-février, il me semble. Là, ça aurait été bien. Tout le monde aurait pris le temps de pex, d'aller chercher des trésors, de connaître les zones et tout. Et la monture volante arrive, c'est parfait. Sauf que là, c'est sorti en novembre. On a déjà l'annonce de la nouvelle extension, qu'on peut toujours pas voler en Draenor. La bêta arrive dans 2-3 mois max, quoi, de la prochaine extension. Donc je trouve qu'on peut voler quand même assez tardivement. Apparemment, ils ont eu beaucoup de problèmes à chaque fois. Donc l'extension a été pensée pour pouvoir voler, hein, dans la construction. Mais à chaque fois, ils ont dit, bon, récemment, ils ont communiqué là-dessus, ils ont dit qu'ils avaient eu des soucis, donc notamment avec les montures de druides, il me semble, enfin la forme de vol de druides. À chaque fois qu'ils voulaient l'activer, il y a des bugs qui ressortaient et tout, donc ça retardait le truc. Bref, ils peuvent sortir les excuses qu'ils veulent, mais nous, ce qu'on constate en tant que joueur, c'est que l'extension est sortie en novembre et qu'on peut voler qu'à partir de septembre. C'est pas du tout le bon plan. À choisir, moi comme je vous dis, j'aurais préféré qu'on puisse voler à partir de la 6.1, mais à choisir, je préfère qu'on puisse voler dès le début plutôt que d'attendre comme ça 9-10 mois, quoi. Parce que là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Pff, voilà, le fait de voler, qu'est-ce que ça apporte finalement? C'est super pratique, mais c'est pas si négatif que ça, quoi. Voilà, ouais, on peut voler, c'est génial, ok, on va aller vite. Et alors? Enfin, ouais, moi je fais pas partie des gens qui vraiment sont contre la monture volante. Bon, ben voilà. Là, à la prochaine extension, apparemment, ce sera beaucoup plus intelligent que ça. C'est-à-dire que ce sera,
comme FF14, on pourra voler dès le début, mais après avoir activé certaines choses. Donc là, ils nous ont demandé d'activer un haut fait que je ne retrouverai plus, hein. Franchement, je sais plus du tout où il est. Il y a un haut fait à faire pour pouvoir voler. Et ça nous donne une monture, il me semble. Vous voyez, bah ouais, c'est tellement le bazar là-dedans que je ne le retrouverai pas. Mais en tout cas, voilà. Il y avait un haut fait à faire, il y avait des réputes à monter. Donc ça, on n'a pas trop compris l'intérêt de faire monter des réputes pour pouvoir voler. Mais bon, moi j'ai tout fait, ok, pas de problème. Mais ouais, je trouve qu'ils auraient intérêt vraiment à faire un peu plus comme FF14. C'est-à-dire, on ne te permet pas de voler dès le début, mais on te permet de voler quand même relativement vite dans l'extension. T'as parcouru la zone, t'as fait l'essentiel des quêtes. Ok, c'est bon, t'as assez traîné ta gueule par terre, maintenant tu peux voler. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'à la prochaine extension, on puisse voler après 2-3 semaines d'extension, voire un mois à tout casser, mais pas 10 mois. Donc voilà, hein, là je vous laisse profiter un petit peu de la vue. On est dans la jungle de Tanaan et on peut voler. Alors ça par contre, ça va faire énormément de bien. Autant pour tout le reste du monde, je m'en balance un petit peu. Autant pour la jungle de Tanaan, je m'en balance aussi maintenant que j'ai tout fait, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, on pourra directement aller sur les élites. Lorsqu'on aura un boss qui va pop, vous savez, les fameux boss qui lootent des montures, là, les 4, eh bien, on pourra directement l'attaquer. Donc, enfin, on pourra directement aller vers lui. Donc, ouais. Là, par contre, pour aller faire des quêtes et tout, je trouve que ça a du sens. Ça a vraiment du sens. Donc, heureusement que ça arrive, hein. Mieux vaut tard que jamais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sous les yeux? On a parlé donc des fameux insignes distordus dans le temps. On a parlé du vol en Draenor. Après, il y a des nouveaux faits qui vont débloquer de nouvelles montures, hein. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Par exemple, le fameux haut fait des 300 montures. Eh bien, quand on avait 300 montures, donc là, comment ça s'écrit? Attendez voir. Ouais, bon, on va écrire serpent nuage. Hein. Voilà, serpent nuage, céleste azur. Est-ce qu'il est par là? Voilà, le voilà. Cette monture qui est plutôt jolie. Alors moi, j'aime pas trop la manière dont ces montures volent. Même à l'époque de Mop, je les trouvais très jolies. Hein. Enfin, elles sont vraiment stylées. Mais j'aime pas la manière dont elles se dandinent comme ça. Donc perso, moi, je les utilise pas. Mais maintenant, lorsqu'on aura plus de 300 montures, on va débloquer le serpent nuage céleste azur. Qui est assez stylé. Et puis ça aura de la gueule. Puisque 300 montures, mine de rien, c'est pas facile à avoir. Donc il n'y aura pas beaucoup de monde avec cette monture-là. Donc voilà, si vous avez 300 montures, vous pourrez vous la raconter avec celle-ci. Donc les deux montures dont je vous ai parlé qui se débloquent avec les marcheurs du temps. Et il y a pas mal de petites choses qui sont sorties en même temps qui ont été datamined, comme on dit, hein, qui ont été vues dans les fichiers du jeu. C'est tout ce qui arrive dans les prochains mois. C'est-à-dire qu'on a pu voir à quoi ressemblera la monture qu'il y aura dans l'édition collector donc de Légion. Hein. Ce sera un espèce de chien gangréné que je trouve très très joli. Alors je pense que je le... Attendez, il faut juste que je chope son nom quelque part. Et lorsque j'aurai son nom... s'appelle comment celui-là? Édition collector. Tracker gangréné Illidari. Voilà. Donc le fameux tracker. Eh ben si, il est là. Voilà. Ça, c'est la monture qu'on aura lorsqu'on va acheter l'édition collector de Légion. Donc j'imagine qu'ils vont faire comme pour WoD, c'est-à-dire plusieurs mois à l'avance, hein, donc bientôt finalement. Parce que attendez, WoD, on pouvait précommander le jeu genre peut-être en mai, juin, juillet, avant que le jeu sorte. Le jeu est sorti en novembre. Donc c'est bien 6 mois avant qu'on pouvait le préco. Moi, je l'avais fait en juillet, par exemple. Et donc, j'avais possibilité d'utiliser la fameuse monture corbeau là. J'avais possibilité de claquer mon... vous savez, le sésame, voilà, pour passer niveau 90. Donc on avait déjà tous ces bonus quelques mois à l'avance. Eh bien j'imagine que ce sera le cas. Peut-être en octobre, novembre, peut-être voilà une date comme ça, ou même... Ouais, je pense, octobre-novembre. On aura possibilité de précommander le jeu. On aura cette monture, la mascotte qui va avec. On aura aussi notre boost niveau 100. Donc voilà pourquoi elle est dans les fichiers du jeu. À côté de ça, on a quoi? On a une monture qui est absolument magnifique. Hein, autant, voilà, depuis tout à l'heure, je vous parle de monture bof. Mais celle-ci, la reine du... non, non, le truc du bosquet, là. Gardien du bosquet. Ouais, c'est celle-ci. Gardien du bosquet. Oh là 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 là, comme elle envoie celle-ci. Alors, bien évidemment, c'est des spécialistes, hein. Les montures qui envoient, qui sont magnifiques. Hop, boutique en jeu. Donc voilà, celle-ci coûtera 20 euros. Je vous avoue que...
Il y a vraiment des chances qu'elle me fasse craquer puisque elle est magnifique, elle a plein de détails, les petites sacoches et tout. Vraiment, moi je trouve ça très très beau. C'est une monture qui peut voler aussi, il faut le savoir. Et cette fameuse monture, ouais, 20 euros. J'ai failli craquer au début de WoD pour l'espèce de saccageur gangréné, il me semble. Je l'avais trouvé très très sympa. Ah, j'ai résisté tant bien que mal. Donc celle-ci, je vais essayer de résister parce que ça me fait quand même chier de poser 20 balles. Mais franchement, je la veux. Franchement, je la trouve très très belle. Donc voilà, dans ce 6.2.2, eh bien, on a des choses comme ça qui arrivent. Et pour terminer sur les montures aussi, le fameux Yeti, c'est vrai ça. Non, c'est pas celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Bon, eh bien, vous voyez cette monture que vous avez à l'écran. Ah, mais non, mais ça a rien à voir en fait, c'est Gronius. Bon, voyez cette monture que vous avez à l'écran. Défi de Warlord. En argent, d'accord, donc c'est les fameux défis, le mode défi qui est quand même assez chiant à faire puisqu'il faut trouver les quatre autres personnes, il faut avoir un groupe quand même assez solide. Bon, l'argent c'est quand même assez facilement faisable hein, comparé à l'or qui est un peu plus chiant. Bon, cette monture elle est assez chiante à choper quand même. Une fois qu'on s'est cassé la tête, ok, on a une monture quand même plus ou moins unique, on se dit allez, c'est chouette, je suis content, je vais pouvoir me la raconter parce que c'est aussi à ça que servent les montures. Et le seul problème c'est que eh ben regardez ce qu'il nous ajoute. Voilà, serviteur de Gronius. Très prochainement, donc un petit color swap juste, hein, vous avez vu, l'autre Yeti était blanc, celui-ci il est gris. Et voilà, fête du voile de l'hiver, donc ce sera une monture qui visiblement sera assez facile à avoir. Donc les deux prochains événements saisonniers qui arrivent, hein, donc la 101 pour Halloween il me semble. Et d'ailleurs on peut regarder ça tout de suite. La 101 pour Halloween et... le voile d'hiver, donc pour Noël. Hein. Alors, octobre... voilà, la 101, c'est bien ça. Hein. C'est bien cet événement pour Halloween. Donc, qui commence le 1er novembre. Ouais, d'accord. 1er novembre, donc la 101. Et nous avons... voile d'hiver. Quand est-ce que ça commence? Je crois que c'est toutes ces guirlandes-là. Voilà, c'est ça. Eh bien, la voile d'hiver qui commence le 16. Et dans ces deux événements, ils ont ajouté de nouvelles choses, donc nouveaux jouets, peut-être mascottes, montures. Et donc dans ces fameux ajouts, il y a Gronius, hein, donc la monture Yeti que je vous ai montré, qui pourra se choper à partir du voile de l'hiver. Donc il y a des gens qui se sont quand même fait chier à aller farmer le petit Yeti, et d'un coup on risque de voir tout le monde arriver avec ce Yeti. C'est exactement comme Pound Fist. Pound Fist. Comment on pourrait traduire ça? Fist point. Allez, hop. Bon, c'est pas celle que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. Grenelin. Voilà, c'est celle-ci. Alors, dès qu'on tue, bah, il s'appelle Martel Point. Donc, à Gorgrond, on a cette monture qui est quand même rare. Elle est chiante, quoi. Il faut camper et tout. Voilà. Les gens qui ont ça, ils ont bien galéré. Ils sont contents. Et bah, d'un coup, pouf, il y a ça qui arrive, qui coûte même pas 15 000 balles à la hache, qui se chope en mission de fief. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la facilité. Hein. Là on se retrouve avec des centaines de montures, mais il y en a pas mal, voilà, on change la couleur et basta. Après c'est vrai que les gens, il y a des gens qui sont attachés à la couleur, qui veulent la monture authentique, la couleur qui est dure à avoir. Perso je m'en balance. Moi, enfin entre lui, le pot solaire et le point de charbon là, franchement aucune différence. J'ai mes préférences, hein. Par exemple je préfère le rouge, c'est évident, mais avoir un des trois, voilà, moi ça m'irait quoi. Donc ouais. Des nouvelles choses, voilà, qui arrivent justement avec les événements saisonniers qui arrivent prochainement. Je reprends un petit peu le patch note sous les yeux, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ils nous sortent, voilà, pas mal de nouvelles mascottes. Donc, dans ces fameuses nouvelles mascottes, donc, on a la mascotte, justement, qui va arriver avec l'édition collector, hein. Donc, c'est comme le petit gangréné, le chien gangréné que je vous ai montré, mais en plus petit. Mais on va aussi avoir les fameux bonus qu'on aura grâce au ticket virtuel. Comme vous le savez, le 6 et 7 novembre, c'est la BlizzCon. BlizzCon, pour pouvoir la regarder sur Internet, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un ticket virtuel qu'on peut acheter qui nous donne des petits goodies en jeu. Et dans ces petits goodies, on a aussi une monture. Vous savez, c'est les espèces de... les bourbis, là. On va essayer de taper bourbis. Bourbidan, voilà. Et eh bien voilà, c'est celle-ci. Donc Illidan, c'est un bourbi en Illidan. C'est ben, la mascotte qu'on aura, donc à l'image de la future extension, c'est la mascotte qu'on aura en achetant le ticket virtuel. Alors autant dire que moi je vais l'acheter, le ticket virtuel. D'une, pour suivre la BlizzCon, et de deux, parce que j'ai regretté de laisser passer certaines mascottes que je voulais. Genre la mascotte croisée là, de Diablo, je suis dégoûté de ne pas l'avoir.
Donc voilà, je fais plus l'erreur. Je vais l'acheter. Et donc voilà, ce genre de petits ajouts. Et puis à côté de ça, on a quoi? On a des jouets. Voilà, des jouets. Est-ce que c'est intéressant de parler vraiment des jouets? Je ne sais pas. Non, non, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pages. Je ne sais pas trop quels sont les jouets qui ont été ajoutés. Donc ouais. Ben, en fait, c'est tout, finalement. C'est-à-dire que, ok, prochain petit patch, hein, donc ils l'ont jamais annoncé comme un gros patch, mais prochain petit patch, moi je vous avoue que j'ai pas tout compris pourquoi, parce que à la base, qu'est-ce qu'on devait avoir? On devait avoir le 6.1 qui nous permettait simplement de voler. Ils ont dit, non, pas le 6.1, le 6.2.1, voilà. Lorsqu'ils ont sorti le patch 6.2, ils ont dit, malheureusement, on a quelques soucis, on peut pas vous faire voler maintenant, donc voilà, vous avez la jungle de Tanaan, vous avez ça, vous avez ça, vous avez la citadelle et tout, et prochainement, on va vous sortir un petit patch, profitez-en pour vite valider votre forfait, parce que prochainement, on vous sort un petit patch pour justement vous permettre de voler. Et donc, le 6.2.1 est passé à la trappe, et sur le PTR, on est directement passé en 6.2.2, où finalement, ils se sont dit, bon, ça sert à rien, allez, on rajoute tout ça d'un coup, on vous met les nouvelles mascottes, les nouveaux événements saisonniers, les nouvelles montures, la nouvelle monnaie pour les instances des marcheurs du temps, et puis on vous sort la 6.2.2 d'un coup. Donc voilà, bon, eh bien on a attendu assez longtemps, mais enfin voilà, à partir de ce patch-là, on va pouvoir voler en Draenor. J'ai envie de dire, on a tellement attendu qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont plus rien à faire, et c'est normal. Mais ça y est, ça arrive, et puis si vous n'êtes pas fan de montures, de mascottes et tout, eh bien l'attente vers la prochaine extension risque d'être assez longue pour vous, donc courage les amis, voilà. Eh bien mine de rien, on a quand même papoté pendant plus de 20 minutes, donc c'est ici qu'on va se quitter, voilà. Vous savez ce qui arrive dans le prochain patch. Eh bien moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Tchuss!